C'est une rentrée dans le vif du sujet pour les rugbymen limousins. Promu de Fédéral 1 en National 2, Lucas Limoges a franchi un pas vers la professionnalisation de son sport et compte jouer des coudes dans ce nouvel échelon. Sur le pont depuis plusieurs mois, le staff technique autour d'Adrien Bouot-Nonato a travaillé pour constituer une équipe ambitieuse pour la saison 2022-2023, pérenniser la place de Lucas dans cette division sans s'interdire de viser plus haut vers la nationale, l'antichambre de l'élite. Tu déclenches là ? Boum boum, double hit, on rembarque. Ah, les enjeux sont plus les mêmes. Après, le niveau est un peu plus conforme à ce qu'on peut attendre d'un club dans une ville de la taille de Limoges, je pense. Après, c'est encore pas suffisant. Je pense qu'il faut être encore plus ambitieux, aller chercher au-dessus. On a une ville grande, on a un stade qui est très grand. Et on doit logiquement avoir envie de s'inscrire dans les 50 premiers clubs français, 60 premiers clubs français. Donc il y a encore quelques échelons à gravir. Donc cette année, on l'entame avec cette volonté de gagner encore des places dans le ranking national, quoi. Là, on est monté dans un niveau qui est devenu professionnel, donc on a des ambitions qui sont vues à la hausse. On a on doit se comporter professionnellement pour pouvoir avoir des bons résultats et être à la hauteur des ambitions du club. Donc cette année, on va devoir s'entraîner beaucoup, très dur, pour pouvoir réussir nos objectifs. Pour cette nouvelle saison des recrues choc, parmi lesquelles l'arrivée de l'ex-international néo-zélandais U20, Teddy Sanway. Mission this year is to gagner, but also to create a bon ambiance avec the team, but I think if we can do become a very close team and work hard for each other, I think we're going to win on the field. So that's my ambition, is that we arise to national and then after go to Pro D2. Début de la saison samedi 10 septembre, Lucas affrontera Florence. Donc voilà, il n'y a plus qu'à parler sur le terrain et montrer ce qu'on sait faire. Hein.